Bien, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ces nouvelles rencontres du commerce associé, les 13e du nom. Je me présente Olivier Dauvert, journaliste, éditeur, spécialisé sur le commerce et la consommation. Et j'aurai le plaisir donc de vous accompagner pour cette matinée que l'on va consacrer à la prise de risque. Alors la prise de risque, par principe, c'est, pour employer un mot qui fait savant mais qui ne l'est pas, consubstantiel de l'entrepreneuriat. Et finalement, entre l'entrepreneuriat et le commerce associé, le lien est évidemment aussi très très fort. Il y avait donc une certaine forme de logique à mettre la prise de risque, le risque, au cœur de ces rencontres du commerce associé qui, comme chaque fois, vont démarrer par une introduction du président. J'appelle tout de suite Guy Leclerc. Guy Leclerc. Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle édition des Rencontres du commerce associé. Le sujet de ce matin, la prise de risque, clé de réussite des entrepreneurs du commerce associé. Cependant, la culture du risque imprègne de façon très inégale les différents segments de la société française. La culture du risque est un aspect fondamental de la modernité par lequel la maîtrise des risques encourus devient un moyen de coloniser le futur. C'est ainsi que nous avons mis au service d'une volonté d'anticiper le futur pour mieux le maîtriser, le risque devient le moteur de l'innovation économique. Mais pour ce faire, la notion de culture du risque implique que l'individu se considère comme maître de ce qui lui est arrivé et il doit mettre en œuvre une démarche rationnelle. C'est donc autour de ce thème que nous avons articulé le programme de cette matinée. Nous avons convié des intervenants d'horizons très différents pour qu'ils partagent avec nous leur lecture des multiples facettes que revêt le risque. Nos concitoyens développent-ils une particularité dans la façon dont ils analysent la prise de risque? Le principe de précaution se développe dans notre pays, génère-t-il des comportements spécifiques face au risque? Le regard critique et sans complaisance d'autrui, l'exigence de l'excellence, la non-tolérance face à l'échec sont-ils autant de facteurs qui conditionne notre attitude face à la prise de risque. Pour nous éclairer et répondre à ce questionnement, nous avons demandé au philosophe Raphaël Hendoven de venir nous exposer sa compréhension, sa lecture sur le sujet et nous montrer comment créer la confiance au-delà de l'échec. La prise de risque en tant qu'entrepreneur se vit au quotidien, avec une succession perpétuelle d'étapes, avoir des idées, hésiter, partager, foncer, prendre le risque de tomber, prendre le risque de basculer, chahuter, se relever, repartir, avancer encore et toujours, en permanence, en remettant en question ce qui vient d'être fait. Le mouvement est obligatoire pour exister. Il ne faut pas perdre de vue à aucun instant le fait que le risque est entrepreneurial inhérent à l'action. C'est d'ailleurs peut-être cette notion de risque qui est un moteur des chefs d'entreprise. Sans prise de risque, il n'y a pas de création de valeur. Sans prise de risque, il n'y a pas de performance qui mène à la victoire. Si le risque est pour certains une connotation négative, c'est en allant vers le risque que l'on va vers des territoires où personne ne va. C'est une question de courage, voire de témérité. Pour rester performant et compétitif, il faut être capable de s'adapter et de relever des défis. Le maître mot, oser. C'est pourquoi tout entrepreneur audacieux prendra des risques pour développer son entreprise. La capacité à prendre des risques est une composante essentielle de l'entrepreneuriat. En tant que chef d'entreprise, les principaux dangers auxquels nous sommes exposés
peuvent être classées en 5 catégories. La toute première, parce que nous sommes en France, ce sera celle de l'échec. Et oui, en France, l'échec nous marque au fer rouge. Rares sont les entrepreneurs qui arrivent à faire de ce revers un facteur de réussite. Pour un rebond, il faudra donc inclure l'échec comme partie intégrante du processus d'entrepreneur. L'échec ne doit pas faire culpabiliser le chef d'entreprise. Deuxième risque, le risque familial. Parce que créer et développer une entreprise est extrêmement chronophage. Le chef d'entreprise aura bien souvent quelque peu délaissé sa famille. Et le risque est si grand, en plus l'entreprise périclite, de voir la cellule familiale également mise à mal. Troisième risque, ce sera le risque moral. Lorsqu'on croit au projet que l'on porte, lorsqu'on change de statut en devenant dirigeant, si l'échec menait à la fermeture de l'entreprise, c'est le nouveau statut professionnel et personnel de l'entrepreneur qui devra être repensé. Quatrième risque, ce sera bien sûr le risque financier. Nous, entrepreneurs, nous avons donné souvent nos biens personnels en caution. Et s'il y a échec, la banque actionnera ses cautions. Cinquième risque, c'est celui du quotidien de l'entreprise. Chaque jour dans son entreprise, l'entrepreneur doit prendre des risques, des décisions qui comportent, que ce soit sur les investissements ou l'embauche de nouveaux responsables. Pour nous, les 31 000 entrepreneurs que nous sommes au commerce associé, la prise de risque est une composante de nos résultats. Et celle-ci se situe à deux niveaux. Le premier, à celui de la tête de réseau. Le risque est tout naturellement maîtrisé. Cette mutualisation fait partie d'un des piliers de notre organisation. Le second risque, c'est celui de l'entrepreneur pour sa propre entreprise. Pour certains, ce risque sera partagé avec d'autres. C'est ce que nous appelons le parrainage. Pour d'autres, ce risque sera et restera individuel. Malgré ceci, l'ensemble des entrepreneurs que nous sommes au commerce associé, nous multiplions les initiatives. Nous sommes audacieux pour prendre des risques. Nous allons toujours de l'avant et nous sommes toujours en mouvement. Et les résultats de l'année 2013 nous le prouvent encore, puisque nous avons maîtrisé près de 142 milliards de chiffres d'affaires et nous représentons aujourd'hui 30% de parts de marché du commerce de détail. Pour illustrer ce dynamisme, je vous demande aussi de vous reporter au panorama du système coopératif où les enseignes du commerce associé sont dans les premiers. Pour compléter, nous avons demandé à Xavier Fontanel, ancien président d'Essilor et professeur d'HEC, de partager avec nous sa conviction en tant que chef d'entreprise et il va prouver que la France doit faire confiance à ses entrepreneurs. Il nous expliquera comment, selon lui, la prise de risque doit être vécue positivement par chaque chef d'entreprise. De mon côté, je terminerai mon propos en citant Marcel Proust. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Chacun a été ou est susceptible d'être confronté un jour à l'échec, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle ou dans le cadre professionnel. Se relever, surmonter l'épreuve de l'échec n'est pas des plus faciles. Notre société doit reconnaître et faciliter le rebond de celles et de ceux qui ont eu le mérite et l'audace un jour de prendre des risques. Je vous souhaite une excellente matinée et je prends le risque de passer la parole à notre animateur. C'est très risqué, effectivement. Merci, Guy Leclerc.